Akazia était malade. Au lieu de chercher secours auprès de Dieu, à celui qui guérit, à celui qui guérit, qui dit, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. Oui, à celui qui dit, vous me servirez et je bénirai votre paix. J'ôterai la maladie au milieu de vous. Les maux dont vous avez souffert en Égypte, je les ôterai du milieu de vous si vous me servez et vous faites ma volonté. Lui qui dit par tes meurtrissures, nous sommes guéris, délivrés, libérés, affranchis de tout joug du malin, de toute maladie, de toute difficulté, de toute souffrance. C'est Dieu, bien-aimé, qui est la réponse, la solution aux différents maux auxquels nous pouvons faire face ici-bas dans notre quotidien. À qui auprès de qui vas-tu chercher le secours? Auprès de qui? Auprès de qui, bien-aimé? La Bible dit, lorsque le juste crie, l'Éternel entend, il le sauve de son malheur, il le relève de sa difficulté, de sa misère, de sa condition déplorable. Bien-aimé, nous devons aller auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu, auprès de Dieu. Oh, dans ta traversée du désert, face à cette stérilité, Dieu a dit à Abraham, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à l'Éternel? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à l'Éternel? Toi qui te dis que cette maladie est incurable. Oui, cette maladie est incurable, cette maladie est chronique. C'est un vocabulaire qui n'existe pas devant Dieu. Il est capable de tout parce que rien ne lui est impossible. Bien-aimé de Dieu, Abraham avait reçu l'enfant. Élisabeth et Zacharie aussi ont reçu l'enfant, quoique avancés en âge. Mais Dieu les a confondus jusqu'à ce que Zacharie avait perdu l'usage de la langue jusqu'à la naissance de l'enfant. Parce que rien n'est impossible à Dieu, déclare la parole de Dieu. Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu rétablit.